et bienvenue dans le journal des Sanghas, l'émission que vous propose Bouddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés en bref, ici et maintenant. Les Kapling organisent différentes conférences. Du 4 au 6 avril, Comment être heureux avec Olivier Horich. Et du 26 au 27 avril, La transition d'un milieu de vie avec Dr. Christophe Forêt. Une retraite zen aura lieu du 17 au 19 avril à Godaiji, Martinique. Le centre du refuge organise une retraite de méditation avec Ajahn Kimasiri et Ajahn Kuvida du 19 au 25 avril au monastère de Sikries. Ajahn Choling vous reçoit du 20 au 26 avril pour une retraite de leadership éthique, mais également du 27 avril au 4 mai pour un enseignement appelé Dharma, Art et les cinq sagesses. Le samedi 26 avril à 14h30, le film Docteur Hypnose et Mystère Zen sera présenté par le docteur Jean-Marc Benayem au Dojo Zen de Paris. L'association bouddhiste tibétaine Lumière de Lune vous accueille pour un enseignement du vénérable Bokchok Rinpoche les 26 et 27 avril à Marseille. Initiation et transmission à Strasbourg, Bli et Paris du 12 avril au 12 mai, donné par Lalpung Songtro Rinpoche, grand maître du Bouddha, organisé par Eshe Golro Pema Yangzong. Enfin, voici l'agenda pour ce mois d'avril du Centre Kalachakra de Paris. Méditation guidée les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 à 19h30. Jeudi 3 et 17 à 19h30, méditation sur le souffle avec Hugues Gouzen. Samedi 5 avril à 10h, découverte du bouddhisme. Samedi 5 à 14h et dimanche 6 à 10h, étude d'un texte de Chandrakirti. Jeudi 10 à 19h30, mes premiers pas dans le bouddhisme. Samedi 12 à 10h, pratique de Kalachakra. Samedi 12 avril et dimanche 13, programme d'études approfondies, la marche vers l'éveil, avec Kishe Dakpa Tsundu. Samedi 19 et dimanche 20 à 10h, introduction à la méditation sur la voie graduée. Lundi 21 à 10h, introduction à la méditation Vipassana. Samedi 26 et dimanche 27, la voie graduée vers l'éveil avec Geshe Dakpa Tsundu. Le centre Kalachakra dans la Sarthe vous reçoit également du 12 au 16 avril pour une retraite sur l'harmonie dans Kalachakra avec Andy Vistrich. Et du 19 au 21 avril pour une retraite sur la compréhension et la gestion des émotions avec Hugues Gouzen. La rubrique annuaire, nous vous présentons aujourd'hui le temple zen au Shodi, temple du pic lumineux. La voie du zen nous a été léguée par le grand missionnaire Mokuto Taizen d'Eshimaru. Elle a été d'abord transmise par le Bouddha Sakyamuni, puis sous sa forme japonaise, par le grand maître Ehe Dogen. Au pic lumineux, la transmission des maîtres d'autrefois se fait à travers le Shobogenzo de Maître Dogen. Ce zen vivant y est incarné par le moine Sando Kaizen qui dirige deux séchines par mois ainsi qu'un camp d'hiver et un camp d'été. En dehors du pic lumineux, de nombreuses séchines sont organisées dans 6 autres pays. Pour plus de renseignements sur le temple du pic lumineux, rendez-vous sur www.zenkaizen.fr ou dans la rubrique annuaire de Bouddha Channel. Une exposition intitulée « Le Japon au fil des saisons » aura lieu du 19 septembre 2014 au 4 janvier 2015 au musée Cernucci.
À une époque où les problèmes environnementaux sont au centre des préoccupations, cette exposition se propose de montrer les liens affectifs et profonds qui unissent les Japonais à la nature à travers 60 peintures sur papier et sur soie. Figurant des végétaux, des animaux et des paysages dont les thèmes sont liés à une saison ou à un mois de l'année. Ces œuvres témoignent toutes de cette sensibilité et réceptivité particulière des Japonais face à la nature. Pour plus d'informations sur cette exposition, rendez-vous sur www.cernucci.paris.fr ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Aujourd'hui, nous vous présentons le DVD Dakini, le féminin de la sagesse. Le principe Dakini, c'est le principe féminin. Le langage Dakini s'entend dans le silence, se lit dans le noir ou dans l'espace. Ouvrir cette porte, c'est alors accepter dans la dimension de l'impalpable et de l'irrationnel. Tout comme le principe masculin n'appartient pas qu'aux hommes, le principe Dakini n'appartient pas qu'aux femmes. Plus un être est ouvert et réceptif, plus il se rapproche de ce que l'on appelle l'être de sagesse Dakini. Pour commander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour les actualités du mois de mai. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur le site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.